لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Maker, l'été, joueur le plus tapé dans les deux camps. Garçons sont là, ils ont joué le talisman, il a au sud. C'est quand même une équipe qui vient d'arriver en Afrique. Facile, 2 buts à 1, 2 buts d'Alexide Bansé. Pour ceux qui jouent en vert. Il arrive souvent qu'on voit le Burkina en vert. Attention à cette balle qui est en train de se balader dans la strand. Et c'est une balle qui va aller à Issa Kabore. Kabore, l'homme au sang, une sélection. Et Franck Lassina est à la lutte. Là. Longue balle là-bas pour Makwe Wall Akin. Tient bien sa place. C'est une belle Charles Kabore. Bertrand Traoré est en jeu de bien joué de la part de Bertrand et Issa Kabore qui va trop pousser son ballon. Et enfin, le Côte d'Ivoire amené par un certain Didier Drogba de Khartoum, même si elle est. Attention, c'est Sapa qui va passer à côté. Le coup est donné. Et cette tête qui revient frapper directement ou chercher une tête dans la surface de réparation, et c'est la tête. Et il y avait une position, son intervention. Joli jeu de jambes, mais la frappe, elle veut profiter au coup, qui se coupe. Qui est passé par l'AS Vita. Tire. Bien joué. Et il n'y aura pas de tête à vous qui l'avez en tout cas à chercher loin devant. Bertrand Traoré, novembre dernier, qui subit Alain Traoré, la frappe. La frappe. Joueur sud-soudanais. Subit Alain Traoré qui a pris ses jambes de 20 ans. Exactement. Et attention à cette prochaine pour la silence Franck. Subit Alain Traoré qui joue à côté pour Bertrand. Bertrand qui va au ballon trop en chandelle. Et c'est la défense. Celui que l'équipe du Burkina a vraiment du mal. Attention à ce cafouillage. Bien joué donc à Ismaïla Traoré sur le plan offensif alors que c'est le coup franc de Odjem Malon qui va partir. Les pieds à trouver vraiment les bons gestes pour faire les bonnes. Traoré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre le dédoublement de Zakaria Sal. Une équipe qui s'appelle le Burkina Faso, il faut pouvoir. Yakuba à la lutte jusque sur la ligne de. Et le but, voilà. C'est Amsterdam alors qu'on revoit Alain Traoré qui alerte Franck Lassina Traoré, mais il était en position. En tout cas, cette balle-là qui est partie, balle de Réan Anguier, et c'est Sanogo qui va écarter pour Yakuba Koulibaly. Est-ce qu'il pourrait redresser? Oui, bien sûr, il a redressé, mais... Quel visage et voilà le coup de sifflet donc de la face au Soudan du Sud. C'est Franck Lassina Traoré qui donne le coup d'envoi sous obstrué par un Soudanais Charles Kabore. Belle passe en profondeur et c'est le but non de Zakaria Sanogo. Effectivement, voilà. Charles Kabore qui retrouve Zakaria Sanogo en nous un, il élimine son vis-à-vis mais il est excentré et c'est une et le but non. Ça allait donner un but spectaculaire. On revoit, il était seul presque au point de pénalty. Il reprend. Et c'est parti avec cette reprise. Et le but d'Edmond. Bien sûr. La position, ah, c'est oui, bien apprécié. C'est bien apprécié. C'est ça aussi le collectif qu'on demande. Et attention à cette tête. Alors que c'est. Tu ne pourras pas négocier. Mais c'est bien joué. C'est un plat de pied, parti des pieds donc de Issoufou Dayo. Franck Lassina Traoré qui essaie de protéger et c'est là que Bertrand profite. Donc un deuxième but allait mettre les talons à l'abri, mais bon, s'il n'y a pas de deuxième but. L'auteur du match aller qui cède donc sa place alors que là il y a la barre. Double construction. Ça Tapsera qui va essayer de rabattre cette balle et il n'y a pas de preneur. Ce n'est Bertrand, 27 minutes. Et voilà. Et Edmond Tapsoba qui écarte momentanément le danger. Attention à cette tête. C'est le 7.
les différentes lignes, travailler les connexions, suivi.